Alors voilà. Promets-moi qu'à partir de maintenant, tu feras attention. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Tu promets, Luna? Merci, Ambre. Tu sais pas à quel point Simon compte pour moi. Oui, je te comprends. Les amis, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour ça que tu comprendras la petite faveur que je vais te demander. C'est pour Delphina. Tu sais qu'elle a très mal pris le fait d'avoir été éliminée de la compétition. Ce qu'ils lui ont fait était injuste, non? Personne lui a rien fait, elle a fait tomber l'affiche. Qu'est-ce que ça a à voir avec le patinage? Les seuls qui devraient être dans cette compétition, ce sont les meilleurs patineurs, d'accord? Et aucune autre personne. Tous ceux qui restent dans la compétition sont très bons. Et même s'ils ne patinent pas incroyablement bien, ils ont tous leur place dans la compétition. Oui, je sais, mais Delphina se sent mal à chaque fois qu'elle te voit patiner. Ça lui remémore encore et encore ce qui lui est arrivé. C'est trop dur pour elle. Et crois-moi, il n'y a rien qui me touche plus que de voir mes amis souffrir. Je ne le supporte pas. Tu peux me faire une faveur à ton tour? Dis-moi. Si tu quittes la piste pour ton ami, je ne dirai rien à ma marraine pour ton ami. Qu'est-ce que t'en dis? Comment n'ai-je pas réalisé que Gaston était roulette d'or? Je n'ai rien dans la tête. Oui, je te confirme. Je veux dire, c'est super moche que tu ne te rendes pas compte des choses. C'est comme ces gens qui confondent les couleurs indigo et bleu marine. Les pauvres. Ce n'est pas de ça qu'on parle, Jasmine. On parle de Gaston et de Felicity. Oui, j'ai compris, Delphina. En fait, pas tant que ça. Ça te dérange que Gaston soit roulette d'or ou qu'il soit amoureux de Felicity? Les deux à la fois. Ce qui me dérange aussi, c'est que Felicity existe. Je ne peux pas croire qu'elle ait saboté Fab & Chic et qu'en plus, elle veuille être avec Gaston. Mais comment est-ce que tu sais que Gaston est roulette d'or? Tu l'as entendu chanter une chanson du groupe ou non? Bon, dans ce cas, ça pourrait être Ramiro ou n'importe quel autre garçon du groupe. Ramiro n'en fait pas partie. C'est pour ça, n'importe quel autre garçon du groupe pourrait être roulette d'or. Non. Mon intuition me dit que roulette d'or, c'est Gaston. J'espère que tu as raison et que je me trompe, mais je dois le découvrir. Je sais, j'ai un plan. Tu veux bien m'aider? Oui. Est-ce que tu sais vers quelle heure Simon passe au roller? C'est quoi le rapport avec Simon, Jasmine? Si tu m'aides, tu dois te concentrer. Oui, ça n'a aucun rapport, ne t'imagine rien surtout. Mais si tu veux vraiment que je t'aide, je dois savoir les faits et gestes de tout le monde. Les entrées, les sorties, les tenues, les... Oui, je te rassure, c'est loin d'être important. Qu'est-ce qu'il fait là? J'en sais rien. Hé, doucement. Salut, quelle coïncidence. Oui, quelle coïncidence. Tu trouves aussi? Je ne savais pas que t'avais un chien. Oui, je vous présente mon chien Rythme. Il est beau, non? Rythme, c'est le nom que tu lui as donné. Ouais, j'ai aussi eu un Doberman que j'ai appelé Rap, un Cocker que j'ai appelé Swing, deux bergers allemands qui s'appelaient Hip et Hop, un Saint-Bernard qui avait pour nom Punk. Dis donc, et... tu as eu beaucoup de chiens, on dirait. Des chiens de toutes les races, types et gabarits. J'adore les chiens, ça te surprend, non? Surprise par quoi? Quelqu'un t'a dit que j'aimais les chiens? Retrouve Soy Luna sur Disney Channel. Retrouve toute l'actu de tes stars sur destination-talent.fr.